Oh tiens, voilà quelqu'un, petit ours. Coucou, c'est toi mon copain, petit ours brun. Tu fais toujours ton coquin, mon petit ours. Salut à tous et à toutes, c'est NC02. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc ce sera une vidéo sur... Bon bah Jackie, dis-leur s'il te plaît, Jackie. Une vidéo sur un parc d'attractions fait pour Yancy. Voilà, donc j'ai fait mon parc d'attractions. Donc c'est moi, j'ai construit. Avant tout, quand on spawn déjà. Donc voilà, ça c'est le spawn, on est d'accord. Attends, ramène-nous un builder s'il te plaît. Fais-le descendre de la petite liane. Ça c'est le haricot magique. A few moments later. Ok, il a réussi à descendre. Oui, du coup, nous sommes avec Funley. Funley, donc. Bonjour. Oui, bonjour à toi. Donc, où sommes-nous? Où sommes-nous? Que faisons-nous ici? Ben, actuellement, vous êtes dans une boîte. Vous spawnez directement quand vous entrez dans le monde pour la première fois. Il suffit d'appuyer sur bouton. Et tout va commencer. Attendez, faut parler de ça. Regardez, ils ont mis mon masque. Enfin, le masque de Ziak. Comment on s'accroupit? Ah oui, comme ça. C'est moi. Bon, du coup, vas-y, on y va. Ok, donc on clique. Et on arrive ici. Il y a un ravagé qui s'est mis devant moi. Bon, donc on arrive ici. Donc, le lieu de spawn avec les autres créateurs. Donc, avec nous, on a Hydre. Ouais. Guide. Ah mince, lui, c'est un PNJ. Avec nous, il y a aussi Sebastiano. Donc, alias Erox. C'est moi. Pourquoi tu parles comme ça, là? Tu crois t'es... Je parle en royaume. Tu crois t'es dangereux ou quoi? Voilà, donc, il y a aussi d'autres créateurs comme Nisof. Il y a qui d'autre? Il y a Fox. Il y a eu pas mal de monde sur ce projet, donc je leur ai laissé 22 heures. Et on va juger si en 22 heures, ils ont assuré ou pas. Qui suivons-nous? Qui est le guide? Allez, bah vas-y, je le fais. Donc là, on a l'entrée. Ouais. Écrit Yancy, puisque c'est ton parc, on l'a fait pour toi. Ouais. Voilà, c'est mon parc. Bienvenue au parc Yancy. Il y a encore écrit ton pseudo. Regardez, en plus, il y a de l'eau. Ah, bah ça, c'est pas très sécurisé, ça. C'est les normes de sécurité, c'est un peu zéro. Donc là, t'as un PNJ qui te vend ton ticket parce que sinon, tu peux pas rentrer dans les parcs, enfin dans les attractions. Mais tellement si. Regarde, si je pars en courant, qui va me rattraper. J'arrive pas à cliquer. Donc vas-y. Ah, peut-être parce qu'il faut faire F1. Et ça donne ton ticket. Ok. Donc une fois que j'ai mon ticket en main. Ton ticket, tu peux avancer. Là, on a la ruelle marchande, tu vois, du parc. Produit dérivé du parc. Donc t'as des t-shirts, t'as des serviettes Yancy, t'as tout ça. Y'a quoi ici? Rien. Ah ouais, y'a rien. Strictement rien. Ok, c'est comme à Disney, y a des fois des trucs qu'on peut ouvrir, des fois non. Ok, donc ça c'est quoi ça? Là, c'est un bar apparemment. Un restaurant, faut. Restaurant, ok, donc on s'assoit là. Bon, restaurant avec 4 tables. Ok. Allez, un magasin de jouets. Hop, les déchets, c'est à la poubelle. Ok. Ça c'est la poubelle, ça? Ok. Ça c'est le petit chariot là. On dirait une brouette. Ok. Là, Xakai, il s'est mis dedans. C'est quoi ça? Là, c'est un magasin de jouets. Alors, 10 euros l'unité, 30 euros l'unité, mais en fait, on vend quoi là? Parce que c'est on bien. Des katanas. Attends, je vois pas. Ah, ouais, ok, boîte katana, ok. Voilà. Et ok, il y a un katana ici aussi, je crois que c'est un katana. Ok, après, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ensuite, voilà, des façades. Des oh, ça c'est stylé, les vitrines en vrai elles sont stylées. Oh, y a encore mon masque, regardez. Bon, regarde à droite. Ou à droite? 3, 4. Ah oui, ça fait beaucoup d'imposteurs là. Oh, tu vas en voir beaucoup. Oh, d'autres façades. Ah, moi j'ai là. C'est qui a fait le tableau? Là, on a des serviettes. Tu veux des serviettes? Des serviettes Y. Ouais, bah, Yancy. Serviettes Yancy, 100,99€. Bah oui. C'est pas cher. Vu qu'on t'a plus d'argent dans ton compte PayPal, tu vois, on s'est dit on va te faire un petit peu d'argent avec ça. Je vois. Moi non plus, je vois pas de quoi tu parles, mais ouais. Ok, donc ça, c'est une petite bibliothèque, je suis certaine. Ouais, oui. Ouais, c'est pour acheter des livres. Du coup, c'est une librairie, pas une bibliothèque. Ouais, librairie, bibliothèque. Bonsoir, non, cher Yancy. Saloon. Oh, ça s'ouvre automatiquement. Vous voulez quoi? Fanta. Fanta? On en a plus. Ah, bah, c'est bien. Allez. Tout le monde sait que dans mes lives, je fais que boire du Fanta. Ouais, oh, y'a Karate Kid! Distributeur d'armure. Ok, donc Yannisoft nous a rejoint. On a. Il est noir. T'es sérieux là, mec? T'es sérieux là, Ziakei? T'es carrément trop raciste. Aïe! Aïe! Arrêtez! Aïe. Bon, ici y'a quoi? C'est pour acheter des fleurs. Ok. Ok. Ok, donc y'a pas mal de magasins. Donc si vous voulez voir le reste des magasins et des vitrines, n'hésitez pas à aller voir. Y'a pas mal de décorations apparemment. Pas mal de décorations, pas mal de petits trucs. Enlevez-moi la pluie s'il vous plaît. Est-ce que je peux avoir le jour aussi? Dôme en verre avec des poissons tropicaux. Y'a deux poissons qui se baladent, mais ouais. C'est parce que le dôme est très grand, les poissons ils sont cachés, il faut que t'ailles plus en profondeur pour les voir. Mais vas-y, c'est pas grave. Allez, viens. Je vais où? Continue. Par là. Ok. On va commencer. Non, d'inverse. Ah merde. Par là, suis-moi. Non, mais je sais pas, vous êtes tous noirs. Enfin, oh là là. Pourquoi il y a la tête à Fox qui murs, vole? Des murs qui représentent les 4 thèmes, 4 zones du coup, 4 murs.
Là, ce mur, c'est côté Japon. Ok. Le thème qui est japonais, ouais. Donc il y a pas des soies, mais il y a du Japon, ok. Si, si, tu verras. Ah oui! Côté Japon, là. Et à droite, c'est la jungle, c'est côté pirate. Ok, je peux aller au côté. Je peux choisir ou pas? L'ordre, c'était Japon et non, je présente. Pirate et ensuite. Et non, non, pas toi, non. Voilà, les petites arches. Ok. Ah, ça, c'est très très stylé, ça. Ça fait bien. Ça représente bien. Attends, tu peux mettre le soir ou pas vite fait pour voir. Commencer un peu dans la nuit. Alors. En vrai, de journée, c'est beau avec les bambous, hein. Oh non, hein? Oh non. Non, 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 personne dit, d'accord. Est-ce que je pourrais avoir la nuit ou pas, s'il vous plaît? Ok, il y a des, ok, il y a des lanternes, ok. Ça fait stylé, ça fait stylé. C'est moi qui a fait. L'arbre, bah, l'arbre, on dirait si, mais ouais. Cool, là, on a une première attraction. Ok, donc entrée, ouais. Peut-on derrière la barrière? Le barrière, le ligne jaune. La queue, s'il vous plaît. J'ai une queue, non? On est tous en train de se faire des bisous là. La queue, une vraie queue. Monsieur Yonsi, Monsieur Zaki, venez. Ah, monsieur, carrément. Prenez la carte. Je le vois une fois sur quatre. Ah, c'est froid! 3, 2, 1, go. Oh oui! Non! Zaki, tu vas y arriver. Je suis mort. Parce qu'à un moment, il y aura plein de virages. Je sais pas si ça sert à quelque chose de spam Z, mais là je spam Z là. J'ai gagné! Non mais c'est vraiment nul quoi. J'ai gagné, j'ai dit. Ah, attends, j'ai reçu un MP, attends. Ah bah apparemment il y a des photos. Ok, donc il y a même des photos de fin de course. Ah merde, on voit que Zeke a gagné. Ouais, du coup, ouais, il y a des petites photos. Donc ça, c'est assez sympa, ça. Les organisateurs prennent des photos, comme par exemple dans les, non, dans les attractions. Là, tu veux des diamants pour ta victoire? C'est où la sortie? Ah, c'est là, la sortie. Non, c'est pas là. C'est là. Hop. Ok. Ok. Donc on va où maintenant? Mais je m'en fous de tes diamants. Je les vois même pas. Ta victoire. Et on peut les manger? Ah non, ça se mange pas. Du coup, après, on va où? Maintenant que l'attraction est finie. Ils sont où tous les? Ils sont où? Non mais ils sont où les autres? Ah, il y a Sebastiano là-bas. Alors voilà, des petites décos, hein. Il y a des sakura, je crois, ouais. Des bambous. Wow. Pourquoi tu sautes dans l'eau? Pourquoi tu sautes dans l'eau? Là, on a un restaurant. Je sais pas quoi. Ouais, c'est un restaurant. Donc si tu veux manger, il y a ici. Attends, il y a marqué ah quoi? Ah oui, il y a le zoo ici là. Essaye de trouver les quatre références. Ok, il y a marqué quoi? By Fox. Ah oui, il faut toujours que ce soit mentionné. Et ramen. Non mais comment ça les 4 références, c'est quoi ça? Il faut faire quoi en gros? Apparemment il y a 4 références, il y a un petit jeu là-dedans. Donc c'est des références sur toi je crois. Oh il y a des noirs qui m'attaquent. Ça nous attaque, il y a des noirs. Enfin non, pas des squelettes noirs. Ok, live of the tease. Je vais chercher. C'est quoi ça? Ah, prends les noirs en photo. Live ETS 2. Bon, allez, Ziak, tu laisses prendre une photo des noirs. Ça, c'est dans les coffres ou c'est caché? C'est comment? Bah, c'est sur des. Comme ça là. C'est comme sur le premier. Sur un item. Bah, là, il y a un bouton, sauf que ça marche pas là. C'est un baril. Ah. Un tonneau, monsieur. Un tonneau. Vous pouvez ranger des trucs dedans. Attendez, il y a un petit secret qui a été supprimé en fait. Ah, du coup, c'est 3 références. Oui, il y a un truc qui a disparu. La toile d'araignée, elle a disparu. Moi, je veux pas de meuf, c'est pour les. Bolos. Bolos. Je veux un gars. Je suis un garçon. Moi aussi, j'adore les fesses des garçons. Oh merde. Ça, fallait pas le dire en live, ça. Clip. Non, ouais, vous êtes des gamins, des vrais gamins. Je fais des vocaux sur Snap et ça enregistre. Attends, fais voir du coup le restaurant. C'est de secours. En vrai, il est vraiment, vraiment stylé. Hein. Ok. Tous les bannières là. Ouais, ça fait. Donc, pas mal de détails encore. Ouais. Pourquoi ils font du bruit derrière là? Faut les faire taire. Hein. Y'a un katana. Où? Là. Ah, on m'a encore envoyé une petite photo par mail. Oh là là, c'est quoi ça? Ok, donc on voit clairement Fox en invisible qui a vraiment gâché la photo. Bravo à toi, Fox. Après, on voit quoi? Bah, ZK et moi. Fox a gâché la photo. Bravo. Bon, du coup, oui, on va où? Oui, monsieur. Donc voilà, on continue. Je me disais aussi qu'on allait continuer. Bon, en même temps, fallait pas un bac plus 5 pour comprendre. Il y a encore que... quelque chose. Ouais, il est encore caché? Fait par Red Fox. Qu'est-ce qui est fait par Red Fox? Sa réaction qu'il a, je crois. Ah. Encore une photo! Monsieur, que ça commence à faire beaucoup là. Là, t'as un katana, voilà, des décos, y'a plein de petites décos à trouver. En mode, il est posé le katana. Bon, c'est quoi ça? Et donc là, on a un temple qui est exclusivement décoratif pour le moment.
son créateur va peut-être le modifier pour en faire une attraction ou quelque chose d'un peu plus ludique, et voilà. Ok, donc fait par moi, ok. Ok, donc toujours on retrouve le petit katana, et cette fois nouveauté, le petit nunchaku. Encore, on continue. Encore une photo. Voilà, du coup là le thème Japon, c'est fini. D'accord. En vrai c'est petit le Japon, il y a qu'une attraction, un petit truc à découvrir et après il y a pas grand chose. Il y a beaucoup plus de décorations par contre, je trouve il y a beaucoup beaucoup de décorations ici. Et ça c'est celui où il y a le plus de décorations, je dirais. Ok. À ce qui paraît c'est pas fini. Attends. Comment j'aurais pu le voir ton chemin, il était pas là il y a 5 minutes. Il n'était pas là il y a 5 minutes. Même le guide sait même pas qu'il y avait ça. Il se trouve ici. Qui nous mène à un temple encore je crois. C'est un temple Rikigi alors. Katana du samouraï, apparemment. Katana du samouraï. Ouais, il est un mini katana, ok. Ah, en vrai, c'est stylé, mais je pense en fait c'est que pour regarder, donc je pense qu'on n'a pas le droit d'être ici. Donc du coup, on continue. Donc le thème d'à côté, la petite jungle que tu peux voir. Je sais pas si t'arrives à la voir au-dessus des arbres. Non, parce que Ziakai m'a mis une vue auquel je vois que les trucs devant moi. Pas du tout. Là. Je sais pas, tu m'as mis un truc, on dirait que je suis une caméra 360. Ah oui! On voit des lianes et tout. Oui, c'est une jungle. Du coup, et là, c'est côté pirate. Faut mettre le jour ou la nuit, là? Ouf, les deux, ça fonctionne. Bah, allez, hein. Jour alors, s'il te plaît, parce que j'aimerais bien avoir un peu de lumière. Attraction du côté pirate. La grotte de la mort. Ok. Qui se fait seul. Tu vas y mourir, là. C'est pour ça. Il y a que là. Tu fais la queue, t'as entendu? La queue. Oui. Merci, chenapan, là. Avance. Ouais. Donc. Non mais pourquoi tu casses? Pourquoi tu casses là? Pourquoi tu, pourquoi voilà, tu casses là? On appelle le rotophile. C'est quoi rotophile? Waouh! Ça part d'un coup! J'espérais les mieux là. Là tu peux descendre. Oh non. Il y a des sensations! Par contre ça coince en haut. Hein. Oui c'est normal. C'est... Vous savez ça me fait penser à quoi? Au bateau pirate qui fait en avant, en arrière, en avant, en arrière. Oui c'est le but. Mais sauf que vu qu'on là on peut pas créer des bateaux pirates qui se déplacent. Mais on peut, et ça s'arrête jamais? Bah au bout d'un moment si t'as un nombre de tours limité. Mais là vu que c'est VIP tu fais autant de tours que tu veux. Quand tu veux t'arrêter tu ouais, ouais mais là j'aimerais bien m'arrêter, j'ai la tête qui tourne là. Okay. Je vais vomir. C'est bon. Ah merde. Mais joue ton pain. Je viens de te foncer dessus. Ok donc on sort par où? ZK tu veux tester? Non mais il a failli vomir donc bon, on va éviter. Attends viens vers moi. Voilà, c'est bon. Et on sort à fond. Ah, ok, bon, on va pouvoir rentrer. Donc, poussez-vous, écartez-vous, moucheron, va. Poussez, Jean. Hop là, merci. Donc, on repasse par l'allée là. Et j'ai l'impression. On passe dans le plus consistant du côté pirate. Attends, pause vite fait. J'ai vraiment l'impression d'être blanc là. Enfin, ma cam, en gros, j'ai trop de blanc, elle me donne trop de blanc, donc il faut vraiment que je la règle. Donc, excusez-moi si la qualité est. Si c'est un peu de mauvaise qualité, c'est la cam qui me fait des trucs comme ça. Bon, allez, oui. Côté consistant du côté pirate, avec un grand lac, mer, ce que tu veux. Ouais. Oh, avec le petit bateau là-bas. À gauche, on voit l'attraction qu'on t'a fait juste avant. Ouais. Oh, le bateau pirate. On a, ouais, un bateau pirate au centre. Il y a Full Night aussi. C'est moi ou il y a un truc qui vole là-bas? C'est parce que j'arrive pas à voir plus loin que là-bas ou c'est parce qu'il y a un truc qui vole? Ça vient. Ouais, bah viens. Ok, effectivement, c'est des trucs que j'arrivais pas à voir. Attends, ah, c'est quoi ça? C'est bien parce que encadré, le personnel par des professionnels. Encadré par des professionnels, il y a un visiteur qui vient de le faire là. Ok. Donc, ça a disparu. C'est bizarre ça. Ok, montre pas trop de déco mec, faut pas montrer trop de déco là. C'est beau mais t'as trop montré. Oh, il y a des crânes par terre ici. Oh, il y a un crâne qui s'est mis à bouger. Oui, j'aime pas mentir, du coup je dirais pas que c'est des faux. Fais-moi un coucou. Oui, allez, Bug qui vient. Fais-moi un coucou oui, de la tête. Un coucou de la tête. Oui. Une petite... Vas-y, fais-moi une petite danse de la tête. Mais non. Mais non. Bon, allez, on continue. Et dors, là, voilà. repose-toi. Normalement, t'es censé être mort. Attends, mais comment ça, vous avez des vrais crânes dans le parc? Oh. Mais c'est pas si c'est vrai, j'ai dit ça, moi. Oh mon dieu. Ok. Donc, par là. T'es sûr, garde ton katana, hein, parce que... J'ai plus de katana justement. T'as quoi dans la main là? J'ai un katana? T'as voir? Ah oui, j'ai un katana! Eh, le premier il m'approche. Oui. Donc viens là. Là on a la deuxième attraction du côté pirate. Ça s'appelle comment? Le petit bateau. Le petit bateau. Ah non, il y a une faute!
Petit sans S. Oh. Ah, ouais. Ah oui, c'est vrai. Que c'est pas moi qui ai écrit. Oh mon dieu. Bon du coup les gars, on va tester l'attraction Les Petits Bateaux. Donc c'est la première prise, ça fait pas 4 fois qu'on l'a refait, vous inquiétez pas. Pourquoi tu rigoles? Oui, du coup je monte. Oui, et go. Là par là, ouais. Ça vite, ça vite. Ah, je me noie. Ah oui. Ça vite, ça vite, ça vite. Ah bah ça bloque encore. Ce coup ça va mieux là. Ça bloque encore. Pousse-moi, pousse-moi, pousse-moi. Mais ça bloque en fait, il n'y a pas assez de place ici. Vous avez pas trop réfléchi, hein, les architectes là. Oui. Ah, ça va pas vite. Là j'aurai le temps de me noyer 10 fois là. Ah, mais moi aussi en fait. Pourquoi il me bloque? Ça va vite, ça va vite. Ça va, ça reprend de la vitesse. Ah. Il y a un crâne qui m'a regardé. C'est bon, j'ai fini. Par contre, il n'y a rien qui nous arrête, ça c'est vache. Les gens, ça se trouve, ils vont. Ça devrait plus bloquer. Eh, bonjour monsieur, ça va? Ça vous allez bien? Refaire un tour? Non, c'est bon, c'était assez nul. Enfin, en vrai, c'était bien, mais il y a trop, ça va trop lentement quand on est plusieurs. Et en plus, là, monsieur, il y a rien qui nous arrête en plus. Donc, mais attends, mais le crâne, qu'est-ce qu'il fait là? Il a fait quoi? Heureusement que tu vois pas le chat. Comment ça s'appelle cette fois? Pirates des Caraïbes. C'est bien, il y a encore une faute. Je rigole, c'est faux, c'est toi, c'est faux. Enfin, je crois, j'ai pas bien vu. Vas-y, tu montes quand tu me dis. Tu veux monter? Oui. Attends. Il y a des prisons. Et il y a un mec en prison. Oui, c'est un... Oui, c'est un employé. Il y a de la lave. Ah non, c'est une mine. Oui. Il y a des mineurs. Donc les gars, j'ai coupé... Bah oui, c'est la meilleure partie, justement, je dirais. C'était trop bien, par contre. Et donc là, on a fini le côté pirate. Ok. On va passer maintenant au château, côté médiéval. Ok. Bah il est où Attends, mais t'en as oublié un là, il est où? Oh, il vole! Oh mon dieu, je suis choqué! Harry Potter! Mais pourquoi j'ai une épée dans la main? Et personne me dit que j'ai une épée dans la main. Ouais. Oh non, pas par là. Ça, on l'a déjà fait, les petits bateaux sans S. Par contre, c'est pas très sécurisé là. Si tu glisses, tu tombes ici là. Si tu glisses, tu te foules la cheville. Et voilà. Ouais, là aussi, regarde. Ah, il y a une crevasse. Oui, ça c'est plus vite, hein. Ah oui, ici aussi. Aïe. Il est compétent. Aïe, il vient. S'il vous plaît, j'aimerais bien garder. Et là aussi, il y a pas de marche-pied. Donc là, si. Aïe, je tombe, je me pète la cheville. Il y a pas de marche. Aïe, je me suis pété la jambe. Comment on tombe? Il y a pas de formation. Bah, c'est pour ça qu'il y a du personnel compétent qui va venir te chercher. Et du coup, tu vas pas pouvoir continuer le manège. Enfin, les attractions. Ça te va? Il est en train de dégommer toute la forêt là. C'est, non, mais direct, voilà. C'est bon, il y a assez de sable. Et donc, juste pour un pet. Ouais. Oh bah c'est par là. Ok. Maisonnette là, la maison rouge. Ouais, c'est qui? Je sais c'est qui l'a fait. Il y a plus trop de questions. Ah, monsieur Ziakei, la maison rouge, sa chanson préférée. N'hésitez pas à l'écouter, il aime bien. Ta maison rouge. En plus le toit est cool. Attends, je vais voir si le toit il coule. Attends, hop, oui, bouge. Ouais, le toit ne coule pas. Le toit qui coule. Ah si, il coule, regarde. Il coule le toit. Bon, t'as vu, même ça brille et tout. Ouais, parce que le toit qui coule. Allez, bien. Donc à droite, oui, on l'a prévu pour toi. Ouais, et attends. Parce que... Ouais. Alt, bah, qui va là. C'est que des trucs pour les petits. Monsieur, il y a une 6h02, entrée, je vous prie. Ah ok, ils m'ont reconnu. Oh, il y a des... Attends. Ça marche. Bon. Ils sont déséquipés, enfin des armées. Encore heureux parce que... Ah oui, ça c'est trop dangereux. T'as vu, vérifie. Attends, vas-y, mets-toi devant. En face. Vas-y, on va voir si je meurs. Reculez, piètre personne. Feu. Tu me dis quand tu tires. Piou. Dégommé, parfait. Voilà. Je crois qu'il est vraiment mort. Hein. Ah bon? Ah merde. Ah bah, j'ai pas d'assurance donc c'est vous qui prenez. Hein. C'est moi, il est de retour. Je me disais aussi. Ok, tire à l'arc. C'est où l'arc? Ah ok, bah j'avais déjà un arc apparemment. Bon bah tiens, Ziak. Hop, voilà, du et coup, là, je veux un arc assez. Avec deux niveaux de difficulté, là, qui est un peu plus simple. Et là où t'es, bah un peu plus compliqué. Ah bah. Il y a un petit peu d'artifice qui explose. Je crois que je suis trop nul en fait. Aïe, mais on tire dessus. Okay. Oh, mais la sécurité, la voie et porte balance des flèches. Il est loin d'être flèche. On arrête, sinon je vous plante une hache. Ah ouais, ok, on arrête. Oh, de loin aussi. Oui. Là, on a le personnel.
Attends, costumé. attends, je dépose l'arc. Attends, F5, F5, F5. C'est quoi F5? Ah oui, effectivement. Effectivement, j'ai pris un peu de... Attends, je vais me débarbouiller. Comment on se débarbouille? Comme je disais, du coup, on a du personnel costumé. Aïe! Ah bah, je suis dans un lit. Je suis où? Je suis là, je te sors. On m'a TP. Du coup, je répète, on a du personnel avec des costumes. Comment t'as secté tout ça, toi, déjà? Je sais pas, demain... Si regarde, un truc plus rapide. Non! Mes diamants que j'avais gagnés à la course! Mes diamants! Rends mes diamants. Enfin, tes diamants, s'il te plaît. Yanis? Oui? Mes diamants, merci, merci, merci. Ah ouais, là, je suis riche. Oui? Trampoline gonflable, là, le truc. Ouais, gonflable. Ça s'appelle un parc... château gonflable. Un château gonflable, voilà. Ouais! Ouais! Ouais, ça saute, regardez, ça saute! Ça saute! Ah, ouais, par contre, je reste bloqué en haut, moi. Je sais pas pourquoi. Ouais, ça saute, ok, ça saute. Ouais, après. Mais, non, mais c'est une toile pour pas qu'on décolle. Pourquoi ça fait du bruit comme ça? Oui, merci pour les photos. Aïe, je me suis pété la jambe là. Par là. Ouais. Là, voilà, une petite aire de jeu pour les petits. Ok. Alors. Ouais. Continuer. Garage. Et... Garage à quoi? Garage à bébé? Ok, ça veut dire ça apparemment. Oh putain. Là, des toboggans. Ok, ah, je fais bon. Comment? Je m'abaisse. Oh, ça marche! Je suis allongé! Et là? Attends, hop, je fais ça. Hop, je peux glisser! Ah, tu pues des pieds vraiment. Ah, ouais, par contre, les normes de sécurité, pas ouf. Hein. Regarde ta tête, boum! Faites-moi partir d'ici! On continue. Non, mais il y a un tapis. C'est ouais, c'est, pas, c'est moi ou il vient d'apparaître là? Hein? Non, pas du tout. Ok, ok, je me disais aussi. Donc voilà. Ouais. Ensuite, par là, on a des auto-tamponneuses. Yep. Et imagine, je me pète la jambe ici. Y a pas de rampe? Non, je rigole. Ok. Aïe, mais imagine je me pète la jambe, regarde. Mais je suis sur la glace, imagine je glisse et je tombe. T'as dit que c'est de la glace. C'est quoi? C'est de la glace. Voilà. Aïe, et le but c'est de se cogner quoi? Oui, c'est des auto-tamponneuses quoi. C'est un peu moins précis mais ouais. Attends, on peut ramener toute l'équipe là parce que peut-être ça va être un peu mieux à plusieurs. Quand il y a deux rames qui se touchent, le truc il bug. Mais ouais, en vrai sinon c'est cool, c'est cool. Voilà, donc bien, coup, hein. Je te laisse aller ranger ton auto-tamponneuse. Oui, on va où? On continue. Voilà. Waouh, fesses. Ok, donc salut à toi la maison rouge. Du coup là on n'avait pas vu le mur pour les pirates là. Ouais, ok. Donc... La queue s'il vous plaît, la queue. Oui, merci. La queue. Tu veux queue? Oui, bah il y a la queue là. C'est quoi ce bouton? C'est la poignée de la porte. Donc, allez, tu peux monter. Oui. Ah ok, il y a plein de décors. Il y a un petit problème ici, je perds de la vie. Et en plus je vois rien. Oui. Ah, il y a des zombies. Ok. Sortez avant de mourir. Si on clique ici, il y a quoi? Ah, on pouvait pas s'arrêter. Ok, donc on sort. Ok, on repousse les gens. Poussez-vous, c'est vous. Ensuite, bah voilà, c'est fini. Ah non. À surprise. Attends, bouge pas de là. Ouh, parquet sauvage. Ah non, y'a pas. Attends, on parle bien du même. Y'a une épée qui vole. Donc, je te laisse me rejoindre entre le parc pirate. Parc ah, viens voir. Attends, bonjour monsieur Citrouille, ça va? Au niveau du dôme. Ça va? Viens voir. Bon, on manger. Oui. Voilà. Oui. Ah, il va dire ce qui est beau là? Pas du tout, je vois rien du tout. Non, on voit pas encore. Ah si, je vois la maison rouge. Hey, t'inquiète, comment il est pressé, on dirait il va ouvrir son... SO Oh, oh. Mais il y a une hache qui court plus vite que moi. C'est quoi ça? Moto. Les motos. Bah, pourquoi... Pourquoi ça fait ça? Ah oh, oui, de ce côté on voit bien, genre... là, la roue, là... Le garde... Oh, ouais, ok, là, il y a quoi, là? Ah, ça, c'est la moto à trois roues, ça! Non, regarde de devant, là, viens là. J'arrive pas à décrire ce voie, donc est-ce que tu peux me. Là, du coup, il y a la police. Ah oui, ça, c'est les portes du club, et ça, c'est toutes les motos qui sont garées. Oui, bah, y'a pas les garages, mais. Wouah! Et y'a pas une attraction SO? Attends, je cherche quand même. Non, y'a pas. Non. Mais tais-toi, toi! Mais attends, mais il prend trop! Attends, la hache, elle est où, la hache? Viens à moi, hache de Thor. Regarde derrière toi. Voilà. Allez, attaque-moi ce. Oh. Mais c'est à l'âge de l'attaquer. Maintenant reconstruit. T'as tout cassé. C'est bien, H de Thor, c'est bon, tu peux revenir. Tu peux repartir. Ah, il est encore là, le monsieur Citrouille. Mais elle va plus vite que moi. Aïe. Si le parc vous a plu,
comme je vous ai dit, vous mettez votre petit like, vous, si vous voulez noter le parc en commentaire, c'est comme vous voulez. Toute l'équipe, venez devant moi s'il vous plaît. Donc il y avait Yanisov, Funley, Fox, JK pour la Maison Rouge, Hydre. Il a fait les personnages. J'ai oublié quelqu'un ou pas? Ok, donc merci à cette équipe. Comme je disais, merci à tous d'avoir participé à ce projet. Donc je leur ai donné 22h, donc moi, pour moi je pense que c'est plutôt réussi. Toi JK, t'en penses quoi? Oui, c'est très bien réussi. Oui. C'est très bien réussi. Et on fait un sourire. Cheese! Ah merde, mais je dois pas sourire dans la vraie vie. Cheese! Ah merde, attends, il manque un manga, il manque Funley. Allez, à 3, 1, 2, 3, cheese! A few moments later. Bon, allez, c'est bon. Allez, merci à tous d'avoir regardé la vidéo. C'était Yann602. Bisous!